D'autres questions sur le découpage temporel dans GSM. On rappelle qu'une communication vocale, donc lorsque Alice et Bob sont en train de téléphoner, et si on considère par exemple le terminal d'Alice, une communication vocale donc occupe un canal physique duplex. Si on considère une cellule GSM avec 4 porteuses duplex allouées dans cette cellule, combien de communications simultanées est-il possible de faire au plus? Pour ceux qui connaissent bien GSM, il s'agit d'un premier calcul grossier, d'une première approximation pour avoir l'ordre de grandeur. On ne demande pas un calcul fin. Peut-on faire une communication 4, 16, 32 ou 64? On rappelle qu'en GSM, la trame montante est décalée de 3 slots ou 3 intervalles de temps par rapport à la trame descendante. Quelle en est la raison? Est-ce que c'est parce que le signal met une durée équivalente à 3 slots pour se propager? Est-ce que c'est pour permettre à la station de base de revenir en réception au moment où le terminal transmet? Est-ce que c'est pour permettre au terminal de ne pas recevoir et transmettre simultanément? Ou est-ce que c'est pour permettre au terminal de ne pas être synchronisé sur la station de base?